Coucou, salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien. Content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'attaché de foulard. Comme vous pouvez le constater, je vais vous présenter d'abord les matériels que je vais utiliser pour réaliser ce tuto. Donc, déjà, j'ai un gonflant, j'ai un bonnet et j'ai des piquets de foulard en grosse taille et en moyenne taille pour ce tuto. Les gonflants, il y en a plusieurs façons. Les bonnets, il y en a plusieurs qualités. Donc déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Dom Bomba, une passionnée de foulard et de maquillage. Donc, si ceci vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner à notre magnifique chaîne, notre communauté, à nous, les passionnés de foulard et de maquillage. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. C'est très important. Si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne serez jamais informé que Dom Bomba ou Make-up et Foulard a publié une vidéo. Et vous serez là toujours à dire: hey, Dom Bomba, je vois plus tes magnifiques attaches foulard, je vois plus tes modèles, je vois plus tes modèles. Donc, activez la cloche de notification, parce que quand vous activez la cloche de notification et qu'on met une vidéo en ligne, YouTube nous montre déjà les personnes qui ont activé la cloche de notification, qui ont cliqué sur le lien, on le sait. Donc, on est vraiment une grande communauté maintenant. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification. On le dit tout le temps, on le répète dans toutes les vidéos. Vraiment, ça devait vraiment attirer votre attention. Si vous voulez vraiment suivre les tutos de Dom Bomba, c'est les notifications qui va définir ça. Donc, on arrête de blablater, on suit les vidéos. Je suis obligée de commenter maintenant les vidéos, même si bon, c'est un peu long, je suis obligée de commenter, parce que quand on met petite musique, quand on met n'importe quelle musique, que ce soit les instruments ou bien les sons qui n'ont pas de sens, bon, on a toujours les histoires de revendications. Donc, je suis obligée de parler maintenant sur mes vidéos. Vous allez voir rarement où je vais vraiment utiliser des musiques sous mes vidéos. Donc voilà déjà le modèle qui est en train de prendre forme. Il faut vraiment, vraiment être attentif. Si vous n'arrivez pas au premier, réessayez, réessayez, réessayez. C'est en pratiquant que vous allez réussir les modèles. Les modèles, je n'ai pas, comment j'ai dit, je n'ai pas un endroit où je les puise. Les modèles viennent en tête. Et j'essaie de moi-même, j'essaie d'abord pour voir ce que ça va donner. Donc, vous pouvez faire autant. Les modèles que Dom Bomba fait, elles ne les prennent pas avec d'autres personnes. Non, je suis là quand une idée me frappe par la tête. J'essaie de faire l'idée que Dieu me donne, et peut-être que j'essaie d'ajouter ma petite touche à moi. Pour rendre plus beau, pour vous faire plaisir. C'est pas du tout facile de faire des vidéos. C'est vraiment du boulot que nous faisons derrière les caméras. Donc, c'est très important que vous likez déjà les vidéos. C'est ça qui nous motive à être inspirés, à commenter les vidéos. C'est ce qui nous permet à vraiment être inspiré pour vous montrer de nouvelles choses. Donc déjà, c'est pas du tout facile pour les vidéos. Il faut d'abord enregistrer. On peut enregistrer une vidéo 3 à 5 fois, la même vidéo, pour voir c'est quelle qui a reçu. Déjà, pour venir poser la voix, il faut faire pareil. Il faut vraiment trouver le bon moment pour poser la voix, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de bruit. Vous voyez déjà le bruit que vous attendez, quel que soit
la distance qui se trouve entre moi et le bruit, mon micro va vraiment repérer tout ça. Donc, désolé déjà pour ce bruit que vous allez entendre sous cette vidéo. Vraiment désolé. Il y a les véhicules qui sont de passage. Il y a des voisins qui vont peut-être être en train de causer. Donc, il faut répondre les voix que nous allons poser chez nous. Tout ça, c'est pour vous dire que faire les vidéos, c'est pas du tout un travail facile. C'est très, 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 très difficile. C'est très, très difficile. Si on veut tenir compte de tout ce que les gens, si on enregistre, on prend comme ça, on vient vous montrer. Vous-même, vous n'allez pas pouvoir suivre la vidéo. Vous n'allez même pas pouvoir suivre la vidéo parce que c'est pas du tout facile. Il aura trop de bruit avec les enfants. Souvent, on tourne les vidéos, les enfants sont à côté. Il faut aller maintenant couper le son, venir attendre quand les enfants vont dormir et poser la voix. Vraiment, encourageons-nous. Encouragez-moi à vous, à être là pour vous. Je ne vous demande rien. Likez la vidéo, regardez la vidéo, partagez, faites découvrir la chaîne. Pour qu'on ait une grande communauté, pour qu'on puisse connaître Dom Bamba, pour qu'on puisse savoir qu'il y a une passionnée de Fula qui est quelque part dans le monde là-bas. Qui est quelque part dans le monde là-bas. Donc, partagez les vidéos, likez, commentez, partagez, parce que c'est grâce au partage que nous avons beaucoup de personnes sur la chaîne. Donc, voilà. C'était Dom Bamba, elle parle trop, mais bon, au fond, elle vous aime. Bisous, bisous, et à la prochaine. Je vous embrasse très, très, très fort. Mouais!